Avec le mandat de protection future, le choix que vous faites avant, en désignant la personne qui s'occupera de vous après, évite que l'on fasse des mauvais choix pour vous. Agir avant, c'est prévoir. Réagir après, c'est subir. Le réflexe notaire, pensez-y avant, ça peut le faire. Bonjour à tous et bonjour Maître Chanceau. Bonjour Jean. Alors, le sujet du jour, évidemment, est la vulnérabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la vulnérabilité ? D'abord, toute personne est majeure est présumée capable, sauf si elle est placée sous un régime de protection judiciaire. Donc les personnes dépendantes, les personnes vulnérables, ce sont d'abord les enfants mineurs et aussi les personnes âgées dépendantes et les enfants adultes handicapés, pour lesquels des mesures de protection existent. Alors quand on parle de vulnérabilité, est-ce que c'est à peu près l'équivalent de dépendance ? On utilise beaucoup le mot dépendance. Oui, une personne vulnérable est une personne dépendante et cette dépendance peut donner lieu à une protection judiciaire volontaire ou subie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en cas de vulnérabilité ou de dépendance de soi ou d'un proche ? La première chose à faire, c'est vraisemblablement de commencer par l'établissement d'une procuration. Une procuration notariée qui permettra aux enfants, aux proches, de réaliser des actes de la gestion courante que la personne vulnérable ou dépendante ne peut plus réaliser. Et puis, à un certain stade, il est nécessaire d'anticiper une vulnérabilité plus profonde par la régularisation de ce qu'on appelle un mandat de protection future. Et tout ça, c'est des outils qu'on peut utiliser, qu'on peut faire une fois qu'on va chez un notaire. Effectivement, qu'il s'agisse de la procuration authentique, qui permettra au notaire de s'assurer de la capacité et de bien indiquer l'étendue des pouvoirs, ou du mandat de protection future, qui est un mandat conventionnel, il s'agira d'établir dans le détail quels sont les pouvoirs que le mandant personne vulnérable, non encore vulnérable, mais qui deviendrait vulnérable, confierait à un proche qui aurait toute sa confiance. Parfait, ben on va rentrer dans le détail dans les prochaines émissions. Merci beaucoup Maître Chanceau. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette émission de Mon Notaire et moi, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission.